La 54e édition du Umlaut et Volk, le 26 février 2000, 204 km au menu. Parmi les favoris, on citait Frank Vandenbroek de la Cofidis, le terrible Johan Mousseau, 35 ans, Blancard, Celestino, André Schmil, Nico Matan ou encore Peter Van Petegem. Et on voit que c'est la formation Cofidis pour Frank Vandenbroek qui met le feu aux poudres dans le Leberg. Mais c'est surtout grâce au Molenberg, la véritable dernière difficulté du parcours avec son passage à 18%, qui va faire une véritable sélection puisqu'on va avoir 22 coureurs à l'avant de la course avec notamment Frank Vandenbroek et 3 équipiers. Mais ensuite, on va voir 16 coureurs qui vont s'échapper à moins de 40 km de l'arrivée sans Van Petegem et Vandenbroek. Ensuite, on va voir Mousseau attaquer, accompagné de Ballerini, Knaven et Weisman. Et ensuite, à 13 km de l'arrivée, dans le dernier secteur pavé, Johan Mousseau va accélérer et va remporter en solitaire sa 89e victoire et remporte pour la première fois de sa carrière le Umlaut et Volk. Ensuite, direction 2003, la 57e édition, donc 200 km entre Gand et Le Kuren. Et on va voir un revenant sur cette édition mener l'avant de la course. Il s'agit du prodige belge Frank Vandenbroek et nous sommes dans Leckenberg. L'ancien enfant prodige du cyclisme belge va ouvrir la route pendant quelques kilomètres avant d'être rejoint par un groupe avec notamment ses équipiers Johan Mousseau, Bettini ou encore le jeune Tom Bonnen. Nous sommes encore à 55 km et la Quick-Step écrase la course derrière la concurrence et est totalement dépassée. Ensuite, à 20 km de l'arrivée, Mousseau, Bettini et Van Nesluyck de la formation US Postal vont partir tout seul devant. Le trio va creuser un écart de plus d'une minute et à 5 km de l'arrivée, le coup tactique parfait de la Quick-Step puisque Mousseau va attaquer, Bettini va protéger le Lion des Flandres et ainsi, à 37 ans, Johan Mousseau remporte une seconde et dernière fois le Umlaut et Volk. La deuxième place est au sprint à 14 secondes par Van Nesluyck devant Bettini et à 1:33, on va encore voir deux Quick-Step puisqu'il s'agit de Tom Bonnen et de Frank Vandenbroek. Quelle performance! 4 coureurs dans les 5 premiers pour la Quick-Step.